Le nouveau Ford Ranger 2012 est arrivé en Suisse. Penser que cette nouvelle mouture de Ford Ranger n'est que cosmétique serait une erreur. Le nouveau Ford Ranger a bénéficié d'une refonte totale. Si effectivement Ford a puisé dans son caddie de pièces et de possibilités, le Ranger est un véhicule qui a été soigneusement développé et conçu de manière à être adapté à une clientèle large et exigeante. Certes, nous avons ici affaire à un pick-up et par conséquent le volume visible sur route et du style plutôt imposant. L'image globale est plutôt sympathique et réussie. Malgré des dimensions supérieures à la version précédente, il fournit néanmoins une image équilibrée et presque légère. Lors de notre courte découverte, nous l'avons présenté à deux garagistes non concessionnaires Ford qui l'ont trouvé plutôt réussi. Le Ford Ranger est disponible en trois versions de cabine, une cabine simple, une cabine extra XL et une cabine double. L'équilibre de la ligne générale de la carrosserie provient aussi probablement du fait que la ligne de ceinture des portes est en harmonie avec la hauteur supérieure de la surface de chargement. L'espace disponible sur le plan de chargement évolue en fonction des versions. De 2,32 m de long pour la version cabine simple, elle passe à 1,85 m pour la cabine XL et à 1,56 m pour la cabine double. En fonction des finitions, l'intérieur sera plus ou moins complet. Les ingénieurs de Ford ont soigné l'espace habitable. Les sièges sont confortables, l'instrumentation lisible et toutes les commandes tombent naturellement sous la main. L'évolution technologique permet de ramener la modification de traction à la simple forme d'un bouton à trois positions. Mécanique. Ici aussi, on puise dans la caisse à outils de la maison. Deux nouvelles motorisations diesel, TDCI Durator, ont été attribuées au nouveau Ranger. Il s'agit d'un 2,2 litres développant 125 chevaux et 330 Nm, destinée à version Ranger XL, la même motorisation dont la puissance a été portée à 150 chevaux et à 375 Nm est affectée au Ranger XLT Limited et Welltrack. Un 5 cylindres de 3,2 litres développant 200 chevaux et 470 Nm est lui destiné aux catégories Limited et Welltrack. Bien entendu, ces motorisations sont aux normes Euro 5. Ce que toutes ces variantes possèdent de série sont des paramètres importants pour des véhicules à vocation utilitaire, loisirs ou tout-terrain. La traction intégrale, la gestion électronique, l'ESP, le contrôle de traction, le système de contrôle en descente, l'assistant de démarrage en côte ainsi qu'une puissance de remorquage pouvant aller jusqu'à 3350 kg. Plus rarement utilisée, une capacité de franchissement de guet pouvant aller jusqu'à 80 cm. Comportement routier. Nous avons eu l'occasion, lors de cette courte présentation, d'effectuer une promenade sur les routes de la Terre à Joulotte près de Port-en-Truy. Nous étions au volant d'un Welltrack équipé du 5 cylindres diesel de 200 chevaux. La région se prête idéalement à un petit parcours test par la diversité du revêtement et du type de route. Si le véhicule est imposant, on s'y sent très vite à l'aise. Le Welltrack, la version la plus luxueuse, figure au catalogue à la coquette somme de 51 000 francs. L'équipement intérieur est par conséquent complet et la siégerie confortable. La place proposée peut convenir à 5 adultes. Le chargement de bagages devient une notion superflue, puisqu'ici on parle en mètres cubes. La position de conduite haute pourrait convenir facilement à la jante féminine, sûr que hauteur est synonyme de sécurité. Pour le reste, le comportement routier est conforme au véhicule. N'oublions pas que nous avons affaire ici à un véhicule destiné au travail ou au loisir. Pour les slaloms sur route, il faut chercher ailleurs. Terrain. Ford a eu la bonne idée de nous inviter à une journée découverte, dont une partie se situait sur le terrain de Crossdedersfiller. Un terrain de jeu parfait pour tout amateur de parcours accidenté. Depuis le passage de guet à la balance jusqu'aux descentes abruptes, en passant par les caillasses ou les montées bourbeuses, le programme de la place de jeu est complet. Les journalistes présents ont pu, sous le contrôle de moniteurs spécialisés, effectuer le parcours et maîtriser les difficultés de la piste. Force est de constater que le Ranger a su vaincre toutes les situations avec brio. Pour certains journalistes, cela fut même l'occasion d'un baptême du feu dans le franchissement d'obstacles. Notre avis, même si le test a été court, l'impression générale est plutôt favorable. La ligne est réussie, les motorisations sont performantes et les capacités dans le terrain indiscutables. Sur la route, le Ford Ranger s'est montré agréable. Même si par moments, au cours d'accélération, le moteur se fait un peu trop entendre. La direction est précise et avec 3 tours et demi est également assez directe pour permettre un usage routier efficace.
La modularité importante au niveau des cabines et des plans de chargement pourra probablement intéresser un certain nombre de collectivités pour l'utilitaire, d'artisans pour le travail et de passionnés pour le loisir. Avec une gamme de prix qui s'étend de 29 450 francs à 54 000, le positionnement du Ranger est dynamique. Un essai plus long permettrait d'affiner les observations dans le domaine de la consommation, de la conduite et de la rentabilité. Jean-Louis Vidal, mai 2012.